Voici le guide complet des défis fièvre acheteuse de Fortnite. Alors pour débloquer ces défis supplémentaires, vous allez devoir aller dans l'onglet défis et terminer toutes les quêtes précédentes. Ensuite, vous débloquerez les nouvelles quêtes supplémentaires. Pour le premier défi, vous allez devoir dépenser 300 lingots d'or dans des distributeurs automatiques. Donc pour vous aider à trouver des distributeurs automatiques, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, vous allez tout simplement interagir avec le distributeur et vous allez dépenser 300 lingots d'or pour terminer le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir infliger 300 de dégâts à des joueurs avec des armes achetées avec des lingots. Donc tout simplement, vous achetez des armes soit à des personnages ou soit à des distributeurs. Donc les emplacements des personnages, ils sont ici sur votre map quand vous allez dans l'onglet personnages. Donc vous achetez soit une arme à un personnage ou soit à un distributeur automatique d'armes. Et ensuite, vous cherchez un adversaire pour lui infliger 300 de dégâts. Dès que vous aurez infligé 300 de dégâts avec une arme achetée, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Pour le prochain défi, vous allez devoir visiter 3 lieux dits différents avec un spécialiste recruté. Donc pour savoir c'est quoi les spécialistes recrutés, c'est tout simple, vous appuyez sur votre bouton tactile, vous allez dans l'onglet personnages et tous les personnages avec un petit logo, là par exemple une mallette de soins, un truc d'explosion, des jumelles, ce sont des personnages que vous allez pouvoir recruter. Donc par exemple, moi j'ai été ici près de la meuf. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement parler au personnage et vous allez la recruter. Ensuite, quand vous l'aurez recrutée, elle va vous suivre là où vous irez. Donc vous avez juste à visiter des lieux dits. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes. Voilà, par exemple Mega City, Frenzy Field, Shattered Labs. Donc voilà, vous visitez trois villes avec le personnage recruté pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Pour le prochain défi, vous allez devoir dépenser des lingots d'or moins de 10 secondes après les avoir ramassés. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller près d'un personnage. Donc les personnages, vous les avez dans l'onglet personnages, tous les emplacements, voilà. Donc vous allez près d'un personnage, ensuite vous cherchez un coffre, en espérant que le coffre vous donne des lingots. Donc là, j'en ai pas eu, je vais en ouvrir un autre. Donc voilà, regardez, ici il y en a un, je l'ouvre. Si j'ai de la chance, j'ai des lingots, donc parfait. Je ramasse les lingots et directement, je parle au personnage et j'utilise des lingots pour les utiliser. Moins de 30 secondes, voilà. Non, moins de 10 secondes après les avoir ramassés. Donc si vous êtes juste à côté d'un personnage, ça va le faire. Après, vous pouvez aussi obtenir des lingots en tuant un adversaire, en ouvrant des caisses enregistreuses ou en ouvrant des coffres forts. Mais vraiment, la meilleure technique, je pense que c'est vraiment de le faire avec un personnage et d'ouvrir un coffre simple pour obtenir des lingots et dépenser les lingots moins de 10 secondes après les avoir ramassés. Dès que vous aurez réussi à dépenser des lingots moins de 10 secondes après les avoir ramassés, vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir améliorer une arme au niveau légendaire à un établi d'amélioration. Donc les établis d'amélioration, c'est ceci. Et pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'améliorer une arme au niveau légendaire. Donc soit vous améliorez une arme directement typique à atypique, etc. etc. jusqu'à niveau légendaire. Ou alors tout simplement, vous cherchez une arme épique, voilà, une arme violette. Et ensuite, vous allez à un établi d'amélioration et vous l'améliorez pour 500 lingots d'or. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Et pour le dernier défi, qui est un défi à étapes, ils vont vous demander de dépenser des lingots. Donc pour dépenser des lingots, vous parlez au personnage et vous achetez des objets, ou alors vous allez près des distributeurs automatiques et vous achetez des objets. Mais pour terminer toutes les étapes, vous allez devoir dépenser 5000 lingots d'or. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SC.